tant que jeune, le concept de démocratie, ça signifie que c'est un pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la démocratie, le peuple est souverain, primaire. Et donc, et pour le peuple, c'est-à-dire la démocratie doit être là pour le bien-être du peuple. Et par le peuple, la démocratie doit être là pour... C'est le peuple qui a tous les pouvoirs dans la démocratie. Selon moi, c'est comme ça que je peux exprimer ces concepts de démocratie. Je vous remercie. C'est... Comment vous appelez? Je prends de Janvier Cloche. Monsieur Janvier, vous êtes encore jeune. Oui. Comment vous comprenez le concept de démocratie? Bon, pour moi, je peux dire la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est-à-dire... Le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, donc c'est le pouvoir donné par donc c'est le pouvoir donné par le peuple et c'est le peuple qui contrôle ce pouvoir là. Bon, je peux dire ça. Grand merci, monsieur Jean-Pierre. Ah. Comment vous appelez? Je m'appelle Binja Barume. Monsieur Binja, essayez un peu de hausser la voix. Moi, c'est Binja Barume aussi. Monsieur Binja, vous êtes encore jeune. Je ne sais pas comment vous comprenez le concept de démocratie. En tout cas, à mon niveau, la démocratie, je le comprends dans un sens de liberté, d'expression d'abord. Donc, c'est un régime où chacun, chaque citoyen, a le droit de s'exprimer. C'est le ce qui semble être vrai, ce qui peut conduire à une bonne gouvernance. Est-ce qu'il y a des règles dans la démocratie où chacun s'exprime comme il veut, comme c'est la démocratie, c'est le désordre? Il y a des règles, vous voyez, dans un régime démocratique, on doit respecter d'abord la constitution. On s'exprime en fonction de ça. Ce qui est écrit dans le livre, dans la constitution, c'est ce qu'on doit respecter. Toi, même les gouvernants doivent respecter tout ce qui est écrit dans la démocratie. Grand merci, monsieur. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Saint-Pierre. Bon, selon moi, la démocratie, c'est la liberté. La personne peut s'exprimer librement ou on doit être libre. C'est-à-dire être libre? Oui, oui. S'exprimer comme on veut, même dans les bêtises? Bon, non. Quand il y a des bêtises, on redresse. Mais qu'on sache qu'on est dans la liberté. Merci beaucoup. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez? Je m'appelle Iban Dawanyema David. Monsieur David, vous êtes encore jeune. Oui. Comment vous comprenez le concept de démocratie? Le concept de démocratie, de ma part, je comprends le concept de démocratie comme le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire? C'est-à-dire c'est le peuple qui détient le pouvoir. Donc c'est le peuple qui est le souverain premier du pouvoir.